sais, mon pote, Ardira, ton cas n'intéresse pas la France. Parce que tu es un Indien. Ton cas intéresse le FBI des États-Unis. Le FBI, là-bas, moi, j'ai pris l'avion le 11 septembre 2015. Et j'étais là-bas à l'anniversaire de deux tours en tant qu'électricien. Mais bon, c'est vrai, je suis arrivé avec la veste d'Adolf Hitler, ce qui a fait peur toute la douane. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait. Présent, c'est pas possible, on parle de lui sur toutes les radios, mais il arrive avec la veste d'Hitler. Ah, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Effectivement, là-bas aux États-Unis, je représente Nike. Tu sais la cicatrice que j'ai sur l'œil. Et Nike, c'est la marque la plus connue du monde. Ça, j'ai pas envie d'en parler du coup. Parce que des mecs, rien que comme Fred Muller, Eric, tu t'as pas l'air Bill Gates. Non, mais c'est le mec, en fait, il en a un niveau où il a tué tellement de gens qu'ils soient riches qu'il aimerait bien avoir en plus l'argent de Bill Gates. Mais le problème, c'est que moi, je suis plus riche que Bill Gates. Et ça le subjugue. Il se dit, mais merde, quand il va s'arrêter? C'est moi, je gagne tous les jours, espèce de fond, ouais, je vais te dire. Tu vois, les jambes de voiture, c'est moi. Okay. Les hybrides, c'est moi. Le téléphone dans lequel tu parles, c'est moi. Et ce téléphone-là, il est régi par la NASA. Okay. Toi, tu parles en français, la NASA, elle écoute. Mais oui, parce qu'on mène une enquête internationale, une enquête qui permet de donner la peine de mort. Et la peine de mort, elle est donnée parce que, à un moment, on est obligé de la redonner, que Mitterrand l'ait retiré, ça a changé catastrophe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les statues qui sont là, toutes les princesses, toutes les reines, machin, qui ont été déviées et figées, peut-être par Merlin, l'enchanteur, je ne sais pas, ou alors juste par l'ADN qui les fige. Mais moi, je crois que c'est quand même du genre Merlin, l'enchanteur, parce qu'elles sont trop gracieuses. Enfin, je veux dire, à la limite, quand tu te décomposes, genre un peu comme dans le désert, tu t'effrites. Elle s'effrite pas, elle se retire. Donc, soit elle se rhabille, donc elle se fait violer, c'est ce que je veux dire. Et voilà. Et en fait, ce qui gêne ce Fred, c'est qu'il essaye de savoir où vous avez de l'argent. Tu sais, moi je vais te dire un secret. Ce Fred, je le connais depuis 1995. C'est lui qui m'a entraîné en Blitz, dans un hôtel Charouche, dans le 16e. Charouche, c'est une grosse pute qui fait des enfants chelous. Tu touches la tête, tu crois qu'il est tellement raté. En plus, il a les doigts collés, les deux mains. Je dis non, qu'est-ce que c'est que ce résidu? Et elle me crie l'argent, l'argent n'a rien dans tout l'hôtel. Tu vois. Et moi, j'ai pris des boules à un moment, j'ai plus d'argent à cause de Mitterrand qui a bloqué la France. J'ai dû emprunter 1000 balles à mon pote Philippe Lefebvre de France 2. J'ai pas encore remboursé parce que lui m'a raconté un colibé. Pourquoi sa fille a vu le maître des éléphants, elle a aimé. Moi, ça m'a touché. J'ai fait, mais t'es fou, Philippe, de me parler comme ça. Tu sais que moi, je peux arrêter la télévision juste parce que tu me parles comme ça. Moi, je te considère comme un ami. Et toi, tu oses me dire que ta fille a aimé le film de Jacques Dutronc. Un viol psychologique. Il serait sur la personne. Philippe, réfléchis bien quand tu dis des bêtises comme ça. Parce que moi, si tu me parles comme ça, moi, à la limite que Mathieu Kassovic, me prête mon César, j'en ai rien à foutre. Et si toi, journaliste de France 2, pont de France 2, tu me parles comme ça, ben écoute, moi je fais bon. Ciao. Mais je me casse. Attention, je me barre directement aux États-Unis. Parce qu'il y a une chose que j'ai jamais dit au cinéma français, c'est que moi je parle 5 langues, ok? Ah ouais, dont l'anglais. Et que je travaille avec Michael Jackson depuis 1980. Et ça ne me concerne pas, tu vois. Puisque moi, je suis rentré à la télévision en 1984 et j'ai enterré le secret. Aucun mot, secret défense. Ben voilà, j'avais un problème. Alors voilà, le problème a été réglé. Qu'est-ce que a fait Nike pour mes 58 ans? Ils m'ont fait une paire de Nike. Ouais, la paire de Nike du président de l'Europe. Alors je vais te la montrer. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois que je touche ça, il va falloir que je fasse de la gym. Non, attends. Ah bah attends, encore mieux. Hop, je dépasse carrément. Et je mets dessus. Voilà. Je pense que tu reconnaîtras une Nike qui n'existe pas et qui est totalement américaine. Regarde. Ça, c'est pour quelque chose d'anniversaire. Voilà. Une Nike qui n'existe pas
cousine, tout le monde. Avec comme une star, à la poubelle. Avec comme Cassavi, à la poubelle. Surtout s'il a touché Jody Foster. Je devais démonter la tête à De Niro, mais finalement, De Niro, il n'est pas si con que ça. Bon, à part son histoire du Vietnam qui touche pas une bille, mais il n'est pas si con que ça. J'avais démonté la tête de Forest Whitaker, mais apparemment, Forest Whitaker, il n'est pas si con que ça. Mais je ne sais pas si Jody Foster sort vraiment avec ce Mathieu Cassavi. Je ne sais pas si elle a baisé avec ce Mathieu Cassavi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a envoyé un code en Lévis de 1980. Donc peut-être qu'effectivement, elle a été collée dans une tour comme la tour Montparnasse pendant des années, des années, des années, depuis 1980. Il y a eu le même problème avec Concorde Lafayette. Et il y a le même problème dans toutes les tours et tous les appartements doivent être recensés pour qu'on voit qui est qui et s'il y a des morts, d'accord. Donc ça c'est mon travail, et j'ai envoyé l'ordre hier, donc normalement on devrait avoir des solutions. Et la peine de mort établie, bon bah voilà, moi ça me laisse libre cours de marcher tranquillement en me disant, bon bah voilà, les Jeux Olympiques vont bien se passer, le premier qui décolle, hop, il va au suite. Et oui, parce qu'on n'a jamais déplacé les rails, hein. C'est pas comme le Titanic. Titanic, on a mis 100 ans pour retrouver les rails. De Suisse, bah, tu prends le métro, tu vas à Suisse, ça va directement à Paris. Hein. Bah, ils ont oublié l'histoire, ils ont oublié que ça commençait à Paris et ça finissait là-bas. Bon, maintenant, on va dire oui, les juifs, machin, l'histoire des juifs.